Alors, on n'est pas aujourd'hui sur une étape du Tour de France dans les Pyrénées. Contrairement à ce qu'on peut croire, on est sur les toits d'Equinix à Saint-Denis. Aujourd'hui, on parle beaucoup data center. Vous êtes un des acteurs mondiaux, je crois plus de 250 sites au niveau mondial. Pas mal en termes de chiffres. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend différent? Je pense que le différenciant, c'est tout simplement ce qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est cette recherche des créations d'écosystèmes. Et ça s'illustre par quoi? Très simplement, plus de 1800 opérateurs dans nos 250 bâtiments et plus de 3000 cloud providers que nos clients peuvent librement accéder et connecter. Tu as cité un mot plus qu'à la mode, on parle de cloud. On est arrivé historiquement à des solutions d'infrastructure qui étaient basées on-premise, hein, vraiment. Ouais. On a eu un grand shift vers le monde du public. Nous sommes ensemble un peu à l'interconnexion. C'est quoi les grandes tendances sur le sujet? Moi, je n'y vois pas une grande tendance. Je pense qu'il y a une recherche mutuelle qu'on essaie d'adresser, qui est comment aider au mieux les clients. Les clients se posent au final beaucoup de questions. Donc, il n'y a pas une seule réalité. Il y aura des gens qui forcément feront peut-être du full public. Il y aura très certainement des gens qui font du pur privé. Il y aura un monde entre les deux. Je pense que ce qu'on cherche à adresser, c'est le multi. Dell et Equinix, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rend unique? De façon très simple, on est deux entreprises mondiales. Aujourd'hui, vous vendez des briques technologie auprès de nos clients, parce qu'on a souvent beaucoup de clients communs, qui se retrouvent typiquement dans des sites comme ici, à PA10. Et puis après, en les posant chez nous, ils ont accès à l'ensemble de l'écosystème, à la fois opérateurs et à la fois des cloud providers. On les connaît tous très bien. Et comme ça, l'ensemble de leurs services qu'ils veulent déployer, ils peuvent avoir exactement le même niveau de service partout dans le monde, dans les 250 data centers dont parlait Pascal. Mais je crois que tu reviens d'un événement majeur où il y a eu en plus de l'innovation d'annoncer. Tu as raison, Christophe. Aujourd'hui, on revient du Dell Tech World, qui est un événement majeur avec un certain nombre d'annonces. Quand il y a des annonces, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça fonctionne? La réponse, elle est oui, ensemble. Aujourd'hui, on a des solutions Dell Apex sur la partie stockage et vous êtes les seuls aujourd'hui en colocation à être capable de proposer, de nous proposer ensemble ces solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est réel. C'est maintenant, j'aime à le dire, hein, en bon franglais, le future is now. On est dans un lieu absolument dingue là, sur un environnement particulier qui est vraiment différent d'une salle de réunion. Un sujet en termes de valeur, c'est la partie sustainability. Je crois savoir aussi qu'on a des solutions concrètes ensemble sur le sujet. C'est une traduction concrète de ce que veut dire un engagement commun, qui est le développement durable. On est à quelques centaines de mètres de la piscine olympique qui va être réchauffée grâce aux serveurs de nos clients ou la chaleur rejetée par la chaleur de nos clients. Bon, je pense qu'on va devoir prendre un café prochainement pour parler de ces sujets communs autour de la sustainability. Avec grand plaisir. Merci Pascal, merci Christophe, à bientôt. Même.